nos amis débarquent à Lune-Laurent. Je parle évidemment de Elendir, Malariel, Girando et Morxan. Il semblerait qu'il y ait quelques soucis au niveau du temple de Solar. Des bruits courent également dans les rues qui inquiètent nos amis. Comme si ça ne suffisait pas avec les avis de recherche qui ont été demandés avec prime pour débusquer Girando et Morxan qui sont recherchés par la famille Lorhaven, par Bloscon, par également le roi, ou du moins une des mains habiles du roi. Il se retrouve à Nilinoran à devoir démêler pas mal de petits complots contre eux et contre le temple de Solar. Tu vas avoir un petit nain qui va s'approcher de toi. Que tu reconnais, il s'agit de Boa. Et qui va venir te voir. Comment ça va, mon cher Dirando? Il semblerait que t'aies attiré pas mal d'ennuis dans le coin. Disons que mes prêches n'ont pas plu à tout le monde. Oh, c'est bien dommage. J'ai pour mission, entre guillemets, enfin, mission, si on peut appeler ça une mission, c'est plus un accompagnement de t'amener jusqu'à Flamblin, jusqu'où, du coup, pour que tu sois interrogé. Mais je crois que, de toute manière, tu connais déjà le chemin. C'est Gerve qui t'envoie, ou c'est Arkin? Gerve. Il souhaite que tu y viennes et que je sois garant du fait que tu y sois allé. Histoire de prouver que tu ne te défiles pas devant un jugement. Mais ça serait mal te connaître que de croire que tu fuirais. Je n'ai absolument aucune intention de me défiler devant des accusations, quelles qu'elles soient, que j'estime fausses. Et Gerve est au courant que de toute façon, j'ai l'intention d'aller avec lui au conseil. Au matin, Boa vient chercher Dirando pour l'amener au concile afin qu'il soit jugé des accusations dont il est ciblé. Une fois la discussion terminée, Dirando se rend dans la cellule de Morxan, savoir s'il se rétablit bien suite aux blessures reçu lors du combat avec l'orque. Comment ça va, mon ami? Tu t'es bien remis? Aussi bien qu'on peut l'être après de mort. Et oui, ça va beaucoup mieux. Mort n'a été qu'un léger passage. Je dirais plutôt que tu t'es évanoui un peu longtemps. Un peu profond, plutôt. Mais... ça va. Merci de ton inquiétude. Ah, cela m'a permis de... que cet évanouissement ne soit pas éternel. Ou définitif. Par contre, je venais de voir... est-ce que tu penses être en état de voyager? Ça dépend. Ouais, où? Le grand prêtre veut partir au concile à Flamelin dans la journée. Et il faut que je l'accompagne. Et j'apprécierais que tu viennes aussi. Je pense que ta parole pourra être utile face au concile. Il faut partir aujourd'hui? Ce serait mieux, oui.
Après, si tu as des choses à finir ici, je comprendrai et je commencerai à me débrouiller au concile sans toi. Si tu veux me rejoindre pour porter ton témoignage, je pense que cela me sera utile. Ce serait quoi le programme une fois arrivé? Discussion entre grands prêtres, qu'est-ce que Monsieur Dirando a fait qui mérite qu'il soit chassé, est-ce que c'est pas Arkil qui est soif de son propre pouvoir et de sa propre notoriété, réunion politique de merde, le genre de truc bien chiant dans une organisation comme celle-ci. Est-ce que tu auras besoin de moi tout de suite ou... Je pourrais le temps de faire 2-3 trucs avant d'être convoqué. Ou après avoir été convoqué éventuellement. Si t'es 2-3 trucs se passent ici, tu peux les faire tranquillement avant de venir avec moi à Flamelin. Ils peuvent se faire aussi là-bas, c'est pas un problème. Eh bien s'ils peuvent se faire là-bas, je pense qu'on aura... Tu devrais avoir largement le temps de le faire avant ou après. Je n'aurais besoin que à un moment que tu interviennes pour témoigner de ce que tu as vu et de ce qui s'est passé lors de la destruction du miroir de Solar et de ce qui en a suivi. Très bien. Un peu de marche ne pourra pas me faire de mal. On récupère le gène aussi bien qu'au volontaire. Bon, après il va falloir demander à ceux qui sont envoyés par Amon s'ils veulent ou pas venir avec nous. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il n'y avait pas réfléchi jusqu'à maintenant. Il ne faut pas d'inconvénients, toi. Personnellement, j'ai apprécié que Malariel, entre guillemets, protège la porte pendant qu'on te soigne. Ça nous a permis de travailler plus consciencieusement. Ben, ce qu'elle a, proposons-leur. Encore va-t-il falloir les trouver. Elendir et Malariel arrivent à la cellule de Morxan et s'apprêtent à rentrer. C'est moi, je viens aux nouvelles pour voir si notre cher Morxan est d'attaque. Heureusement qu'il est relativement vêtu et... dans un état à recevoir une jeune femme. C'est pas grave, j'en ai vu d'autres. J'ai un Elendir avec moi. Nous parlions justement de vous deux.